Bonsoir. Je pense que vous avez reconnu l'intro, le prélude de ce soir. On va le chanter tout à l'heure, hein. Enfin tout de suite d'ailleurs, dans quelques instants. Bienvenue à vous pour cette veillée de Noël traditionnelle. Alors c'est un peu particulier cette année puisque le 24 décembre tombe en même temps que le 4e avant. Donc il n'y a pas eu de culte ce matin. Je vous ai tous mis au Super U. Non, c'est pas vrai, j'y étais pas. Donc après le temple de la consommation, on est dans la maison du Seigneur. Comme ça, la boucle, elle est bouclée. En tout cas, bienvenue à vous. On se réjouit de célébrer ensemble la naissance du Sauveur. D'ailleurs, avec ce double mot d'ordre qui est pour nous aujourd'hui, celui du 4e avant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Bien. Et puis le deuxième mot d'ordre qui est pour ce soir et pour cette nuit, c'est les anges qui annoncent une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle avec une très grande joie. C'est avec une très grande joie qu'on vous annonce une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous savez, dans la Bible, il n'y a que trois endroits où il est question d'une très grande joie. C'est quand Jésus vient au monde, c'est quand Jésus ressuscite et c'est quand Jésus remonte auprès du Père. La quatrième fois, ce sera quand il va revenir. Alors il y en a certains qui vont se réjouir énormément et puis d'autres qui vont faire la gueule. Je vous le dis. Ce soir, on va se réjouir ensemble. On est encore dans le temps de la grâce et le temps de la miséricorde de notre Dieu. Alors on va chanter maintenant ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ô nuit bienveillante. Thank you.
psaume que je vais vous lire ce soir, ce n'est pas du tout celui qui est prévu. Mais c'est un psaume prophétique, c'est le deuxième dans la liste des psaumes de l'Ancien Testament. Et on ne sait pas qui l'a écrit. D'habitude, il y a marqué, c'est de David ou de Asaph ou de quelqu'un d'autre. Mais là, on ne sait pas qui l'a écrit. Et en même temps, je crois que c'est un psaume d'actualité. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se soulèvent, les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel. Et ils disent, arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Mais celui qui est assis dans le ciel, il rit, le Seigneur rit. Puis il leur parle dans sa colère. Et il dit, c'est moi qui établis mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Moi, je suis là, je proclame le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage et les extrémités de la terre en possession. Alors vous, maintenant, les rois de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Allez rendre hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Mais heureux sont tous ceux qui se confient en lui. Je vous invite juste à laisser ces paroles descendre en vous. C'est le temps de nous approcher de lui, de nous approcher du Fils, de celui qui s'est approché de nous. Il est temps pour nous de le rencontrer. L'Hébreu dit même que c'est le temps pour nous d'aller l'embrasser et de le prendre dans nos bras parce que lui, il tend les mains vers nous et il nous attend. Alors que ce soir, au milieu de nous, il y a cette paix qui vienne, qui règne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos villages. Et qu'en même temps, parce que nous sommes proches de lui et que lui, il est proche de nous, nous nous laissions aimer par cet immense amour. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Juste merci pour cette veillée, juste merci pour ce temps de Noël, juste merci pour ta venue sur la terre. Bienvenue à toi, au milieu de nous. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter au peuple fidèle. Jésus nous appelle.
On continue dans le prophétique, puisque un peu plus tard, le prophète Ésaïe va annoncer lui aussi la naissance de Jésus. Et dit la chose suivante dans le chapitre 9, il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté repose sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David, à son royaume, l'affermir et le soutenir par la justice et le droit, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Amen. On va accueillir le roi, le prince de la paix, le Père éternel, le Dieu puissant, le merveilleux conseiller. Laissons entrer le roi de gloire. Oh.
À un moment donné, il fallait bien que ça arrive, que la prophétie s'accomplisse. L'apôtre Paul le dit de manière très simple. Il dit, quand le moment est venu, vraiment, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour acheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous devenions ses enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses enfants. Et parce que vous êtes ses enfants. Dieu a envoyé dans votre cœur son esprit pour que vous puissiez dire « Abba, Père ». Et ainsi, nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des enfants. Et si tu es un enfant, tu es aussi héritier de Dieu au travers du Christ. Amen. Quand le moment fut vraiment venu, Jésus est né comme le sauveur du monde.
À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie et tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Et donc Joseph monta aussi de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Il y avait là dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux et ils furent saisis d'une très grande crainte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera la source d'une très grande joie pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Et tout d'un coup, une foule d'anges, de l'armée céleste, se joignit à l'ange. Et ils adressaient des louanges à Dieu, ils disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés. Marie gardait le souvenir de ces choses et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent chez eux en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. À cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Combien de fois vous avez déjà entendu cette histoire ? C'est une bonne question, hein ? Combien de fois vous avez déjà entendu cette histoire ? Tous les ans, pour ceux qui ne viennent qu'à la veillée de Noël, c'est toujours la même histoire. Et pourtant, c'est une histoire qui a besoin d'être encore répétée, encore et encore et encore et encore et encore. La semaine dernière, au centre culturel, on avait notre fête de Noël des bénéficiaires des greniers de Joseph. Et on avait préparé des jouets pour que les enfants puissent le matin venir et puis choisir ce qu'ils avaient envie de prendre, puisqu'ils avaient le choix. C'était impressionnant. Et il y a une image qui m'a frappé. C'est l'image en fait des enfants qui sortaient de l'école de musique, passaient par l'extérieur, et puis je les vois encore maintenant, je les vois passer devant les vitrines ou devant les vitres du centre culturel et puis regarder à l'intérieur. Et puis il y en avait, je ne sais pas s'ils bavaient sur la vitrine, mais en tout cas c'était assez blub. Hein, mais ils avaient le nez scotché sur la vitre pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'est une image qui m'a parlé parce que finalement cette histoire de Noël, on peut la vivre de l'intérieur ou on peut la vivre de l'extérieur. C'est comme les Français de l'intérieur et les Français de l'extérieur. Vous savez tous que nous, on est à l'intérieur, les autres sont à l'extérieur. D'accord ? C'est clair pour tout le monde. Mais on peut vivre cette histoire de Noël et l'entendre année après année, mais la recevoir et l'entendre extérieurement ou la recevoir en nous. Il y a une différence. C'est que les bergers, quand ils sont allés voir, ils ont vu.
On ne sait pas, le texte ne le dit pas, s'ils ont porté Jésus dans leurs bras. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que quand ils sont repartis, ils n'étaient plus les mêmes. Et je sais que si nous recevons cette histoire, non pas simplement de l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, nous ne serons plus jamais les mêmes. Je me suis souvent posé la question, pourquoi dans les quatre évangiles, il n'y en a que deux qui parlent de la naissance de Jésus, et pourquoi il y a deux textes différents ? Il y a un texte chez Luc qu'on a entendu avec Marie, Joseph, Bethléem, l'étable, les bergers, les anges et tout ça. Et puis il y a le texte de Matthieu, où on ne parle que des mages qui viennent rendre hommage au Fils de Dieu, et puis qui se trompent en suivant l'étoile, ils arrivent à Jérusalem, et puis ils font un détour pour arriver jusqu'à cet enfant et lui offrir de l'or, de l'encens, et de la myrrhe. Bien. Il y en a qui ont encore quelques souvenirs de catéchisme. C'est très bien. En fait, moi j'ai compris pourquoi il y a ces deux histoires différentes. On n'en a pas écrite une, on en a écrite deux. Parce que tout dépend de la réaction qu'on a par rapport à cette histoire. Dans les deux histoires, dans les deux récits, il est question à un moment donné de la peur qui vient. Quand l'ange apparaît au berger, pendant la nuit, le texte dit qu'ils ont été saisis de quoi ? D'une grande frayeur. Imaginez ce soir au milieu de nous, il y a les anges qui apparaissent. Waouh ! Moi j'aimerais bien, hein. Moi, j'aurais pas peur, hein, je vous promets. Hein. D'accord ? Mais imaginez que tout d'un coup, l'église est resplendie de mille feux et qu'ils ne sont pas simplement le feu de nos bougies ou de nos lumières. Mais ils sont saisis d'une très grande frayeur. Et pourtant, malgré leur frayeur, ils vont aller voir ce qui a été annoncé. Quand les mages, dans le récit de Matthieu, ils se rendent à Jérusalem, ils annoncent qu'on a vu l'étoile qui annonce la venue du roi. Là aussi, il y a la frayeur qui s'empare de Hérode et de sa cour. Mais eux, ils ne vont pas aller voir. Au contraire, eux, ils vont rejeter. À tel point que Hérode le sanguinaire, comme on l'appelle, il va s'amuser à faire massacrer tous les garçons qui sont nés dans cette période-là pour que surtout le roi concurrent ne vienne pas lui faire ombrage. Et finalement, c'est la même réaction que nous pouvons avoir. Ou bien on accepte, ou bien on rejette. Ou bien on reçoit cette histoire et on la prend pour nous, parce que c'est aussi mon histoire. Ou bien je la mets de côté. Vous savez, il y a beaucoup d'attaques contre Noël en ce moment. C'est assez troublant d'ailleurs, je trouve. Il est question d'éradiquer les crèches de tous les lieux publics au nom de la laïcité. J'ai envie de dire une chose par rapport à ça. Ceux qui disent ça, d'une certaine manière, ils ont bien raison. Parce qu'il ne faut pas que la crèche de Jésus, la crèche de l'histoire de Noël, reste enfermée dans des maisons, dans des bâtiments. Il faut qu'elle sorte. Il faut que les crèches, comme on en a dans nos villages, que les crèches elles soient sur la place publique et que tout le monde puisse les voir. Que tout le monde réalise que le centre de cette fête de Noël, c'est pas juste un sapin avec des guirlandes et puis des cadeaux qu'on échange. Il y a un bon repas que vous allez tous prendre tout à l'heure. Ouais. Pensez à rien. Mais que c'est Christ qui est au milieu. Et il faut le faire connaître. Il faut le faire connaître, parce que dans le monde qui nous environne, on l'a entendu tout à l'heure dans Ésaïe, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples, mais pour nous, il y a une lumière qui s'est levée. Cette lumière, elle a un nom, c'est le nom de Jésus. Cette lumière, elle porte un message, c'est celui de l'espérance pour chacun d'entre nous, et aussi l'espérance pour notre monde. Il faut qu'on se réjouisse dans ce temps de Noël. N'ayons pas honte de ce que nous sommes, n'ayons pas honte de cette histoire, n'ayons pas honte du Christ qui vit en nous, n'ayons pas honte de lui remettre notre vie. Et laissons le faire comme celui qui brille, aujourd'hui comme éternellement. Amen.
Nous allons chanter en recueillant votre offrande, Lumière du monde. Que ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent, on puisse simplement se donner la main pour un temps de prière, que le Seigneur vienne nous bénir maintenant. Je sais que pour certains d'entre nous, ce temps de Noël, il est pénible. Je sais que pour certains d'entre nous, ce temps de Noël, il est très dur, il est même compliqué parce qu'il y a la maladie qui est là, ou peut-être qu'il y a le deuil qui a frappé. Christ est venu pour nous accompagner sur le chemin de notre vie. Il n'a jamais promis que les choses seraient simples et faciles.
Il a juste promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Et s'il est venu sur la terre, c'est pour nous montrer qu'il y a toujours un moyen. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours un chemin qui est ouvert pour que celui qui s'approche de lui puisse recevoir ce dont il a besoin. Je vais vous inviter à fermer vos yeux et juste laisser la présence du Seigneur venir en nous, qui vienne nous couvrir de sa main, qui vienne nous consoler dans nos peines, qui vienne nous toucher dans nos corps, qui vienne se charger de nos fardeaux. Il s'est fait petit parmi les petits. Il est devenu comme nous. Et ce n'est pas une parole en l'air, mais pour partager tout ce que nous sommes, pour partager notre humanité. Ce que nous connaissons ou avons connu ou connaîtrons, il l'a connu aussi. Et on veut simplement, Seigneur, te demander maintenant, étends ta main sur tes bien-aimés, étends ta main sur tes enfants. Que la paix que tu viens apporter, parce que tu es le prince de la paix, puisse nous habiter et demeurer sur nos maisons, aussi ce soir et aussi demain. Que même dans les larmes, il y a cette assurance de ta présence qui soit là. Et que tu nous donnes à chaque instant de notre vie de pouvoir t'accueillir comme celui qui est présent pour toujours avec nous. Merci pour ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu feras encore pour tes enfants ici rassemblés. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous prions le Père. Et que nous disons à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Alors on va la porter un peu, hein. Je sais, c'est pas grand-chose. Mais quand même, ça vaut la peine aussi dans l'obscurité de notre monde de proclamer qu'il y a une lumière qui brille. Et je vous invite à partager, à échanger cette petite lumière et qu'on puisse l'emmener avec nous comme une image de ce que le Seigneur veut faire. Et pendant qu'on partage cette lumière, on va chanter Ihr Kinderlein kommet. Vous avez une détente, après, enfin. Trois.
Ora, so gräbe Herr, kommet im Bethlehem Stall und seht, was in dieser hochheilige Nacht der Vater im Himmel für Freude uns macht. O, seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht ihr bei des Lichtleits hellglänzende Strahl den reinlichen Windeln das himmlische Kind viel schöner und holder als Engel es sind. Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien beten davor. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a qui chantent plus vite que la musique. C'est sûrement qu'ils sont pressés. Je voudrais juste vous dire encore trois choses. La première, c'est qu'on a donné aux enfants à l'entrée des petits fascicules qui ont été faits par les églises allemandes et françaises, les églises protestantes, qui concernent l'histoire de Noël. Alors c'est une histoire, voilà, avec des autocollants, et les enfants peuvent se créer eux-mêmes leur propre crèche. S'il y a des grands-parents qui veulent en emmener pour leurs petits-enfants, je crois qu'il en reste encore quelques exemplaires derrière. Il y a aussi des plans de lecture, les nouveaux plans pour 2024 qui sont disponibles derrière sur la table. Puis demain matin, nous allons fêter Noël à Macquillère à 10h avec Sainte-Seine. On se réjouit de continuer à fêter. Et puis dimanche prochain, nous aurons notre culte de fin d'année ici à l'église à Diemringen à 10h. Je voudrais vous souhaiter à tous et toutes un très joyeux Noël. Moi, j'ose le dire encore ici, dans ce lieu, un très beau, joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde dans sa main et qu'il vous permette tous les jours de pouvoir vous appuyer sur sa présence. Amen. On ne peut pas terminer une veillée de Noël sans chanter. Très bien. Vous avez le droit de revenir l'année prochaine.
Amen. Bonne soirée, bonne nuit à vous tous. Faites bien, réjouissez-vous, parce que le Seigneur est proche de chacun de vous.